La proposition de la terre battue ayant été rejetée, les ouvriers ont quadrillé le sol pour couler la dalle. Mais il faut d'abord protéger les murs. Une machine au long bras, télescopique et téléguidée, déverse le béton. Il n'y a plus qu'à le répandre harmonieusement. Comme autant des cathédrales, les pierres sont ajustées sur place. Observez la technique. Il suffit maintenant à la machine, elle aussi télescopique et téléguidée, de trouver la bonne pierre. De la porter jusqu'à l'emplacement voulu. Cette étape peut prendre un certain nombre de minutes, suivant où était stockée la pierre. Arrivée à l'emplacement voulu, notre équipe de choc la réceptionne et la positionne. Admirez la porte latérale. Voyons d'un peu plus près en quoi consiste ce travail minutieux avec la pose des trois dernières pierres de la porte principale. Le plus délicat est de poser les pierres sur le sol, dans la position qu'elles adopteront dans la façade pour l'éternité. Tourner à travers toi, non ?